ravi de vous retrouver ici à Nantes à l'occasion des BIS 2023. On est avec Christophe Bennett pour évoquer les politiques culturelles des territoires. Bienvenue à vous, Christophe Bennett. Bonjour. Président de la FNADAC. Alors, la FNADAC, c'est un petit peu long à le dire, je le dirai une fois. C'est la Fédération nationale des associations, des directeurs et directrices des affaires culturelles des collectivités territoriales. On va prendre un petit peu la température de la profession. On imagine qu'en ce moment, on parle beaucoup de budget chez vous. Alors oui, effectivement, on parle du budget puisque les collectivités ont l'obligation de produire leur budget entre le mois de décembre et puis au maximum le mi-avril. C'est vrai qu'on est dans une conjoncture assez anxiogène et difficile où dans un contexte de pénurie et de vaches maigres, les élus et les gouvernances des collectivités se posent des questions. Où est-ce qu'on va pouvoir faire des économies? Est-ce qu'on a encore des marges? Et puis une inquiétude qui émerge souvent, c'est que les politiques culturelles soient un peu des variables d'ajustement. Donc il y a une très forte attention à la fois des élus et des services culturels à cet endroit. Signe des temps, beaucoup de budgets se votent en décembre et cette année particulièrement, il y a pas mal de votes qui sont décalés au mois de mars. Oui, pour des raisons faciles à comprendre, la loi de finances de 2023, elle va avoir des conséquences significatives sur les dotations globales de fonctionnement, donc c'est assez facile à comprendre que pour une fois, des collectivités qui d'année après année avaient l'habitude de voter en décembre aient choisi l'option la plus tardive. Alors que dites-vous les professionnels de la culture dans les collectivités, que dites-vous à vos élus en ce moment ? On leur dit que bien souvent ils sont prêts à l'entendre, mais on leur rappelle les fondamentaux que nous portons, à savoir derrière les politiques culturelles, il y a des personnes, il y a des équipements, il y a des gens, il y a du public, et nos politiques culturelles sont bien loin de représenter un supplément d'âme, mais sont constitutives des fondements de notre démocratie et sont là pour favoriser la cohésion sociale, l'estime de soi, et puis le vivre ensemble. Quand on parle de financement, les collectivités restent des financeurs de premier plan de la culture en France. Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, alors les chiffres sont discutables, mais on parle de 70 à 75% des budgets culturels publics qui relèvent des collectivités territoriales. C'est pas rien. C'est considérable. Est-ce qu'il y a un risque d'inégalité accrue d'un territoire à l'autre en disant certains territoires vont conserver des budgets conséquents, une politique volontariste, et d'autres baisser les bras temporairement au moins ? Oui, alors effectivement, l'inégalité de traitement, enfin, en tout cas de fait sur les territoires, elle repose sur deux faits. D'abord, il y a des collectivités qui sont plus endettées que d'autres, donc la pression pour elles budgétaire est encore plus forte. Et puis, il y a la question des valeurs aussi. L'élu qui considère qu'il ne peut pas se permettre de sacrifier une politique essentielle au nom de tout ce que je viens de rappeler, eh bien, il va effectivement ne pas sacrifier ses politiques public, ces politiques culturelles, d'autant plus que derrière, encore une fois, il y a des équipements, il y a des habitudes, il y a des programmations, il y a tout un écosystème qui vit autour de ces budgets culturels. Alors, quel est votre discours en ce moment à la FNADAC ? C'est de dire attendons des jours meilleurs ou continuons quand même à porter certains chantiers importants ? Les jours meilleurs, nous on a tendance à considérer qu'il y a toute une logique à l'œuvre qui est assez complexe. Les jours meilleurs sont-ils vraiment devant nous? Je n'en sais rien, mais on a tendance à se dire qu'il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et se dire c'est peut-être une opportunité ce qui nous arrive, ça nous oblige à nous réinterroger, à parler de la dialectique qui existe entre l'environnement et nos politiques culturelles d'une part, et puis peut-être favoriser plus que jamais la notion de transversalité des politiques publiques. Aujourd'hui, on constate que ça fait maintenant des années, voire des décennies, que les politiques publiques ont tendance à fonctionner en silo, chacune dans leur couloir de nage. Alors il y a une déclaration d'intention qui consiste à dire il faut absolument faire de l'horizontalité, il faut absolument travailler ensemble, mais bien souvent on ne prend pas le temps de se poser, de redistribuer les cartes, de réinterroger notre façon de bâtir des budgets, mais surtout de travailler en mode projet. Donc c'est peut-être l'occasion, ce qui nous arrive, de pénurie, de justement lisser ces questions et de se mettre à réinterroger la dialectique culture et environnement, culture et développement économique, culture et social, culture et éducation, culture et jeunesse. L'occasion nous est donnée.
comme jamais de faire de la transversalité des politiques publiques. Donc pas d'immobilisme possible. Là, il faut avancer sur cette idée de connecter la culture à l'ensemble des politiques publiques locales, territoriales. Alors, l'immobilisme n'a jamais été notre doxa, d'autant plus que, et c'est une réalité, bien souvent, les politiques culturelles sont portées par des équipes très resserrées qui sont souvent animées de valeurs et de convictions profondes, qui sont souvent très agiles dans leur capacité à se réinventer. Effectivement, le point de vigilance, il est budgétaire, mais pas que. Comment on arrive à produire des politiques culturelles qui parlent au maximum de personnes possibles. Alors, il y a un autre chantier qui vous anime à la FNADAC, c'est l'impact de la démocratie participative sur les politiques culturelles publiques locales. Autrement dit, finalement, avec l'essor, en tout cas souhaité, hein, de la démocratie participative, il y a peut-être des choses qui bougent un petit peu du côté de la culture. Et ça peut être bousculant. Oui, alors cette question des droits culturels, qui est un concept encore difficile à appréhender du point de vue du grand public, il vient un peu comme un aiguillon de l'héritage Malraux, à savoir un attachement très fort à la création artistique d'une part et à la démocratisation culturelle, c'est-à-dire à partager les valeurs et le beau, les productions de l'esprit et les productions artistiques. Alors oui, apporter du participatif la construction de nos politiques culturelles, il ne faut pas que ça s'arrête à de l'affichage et une déclaration d'intention, c'est-à-dire qu'il faut vraiment expérimenter de nouvelles façons de partager avec les citoyens. On peut imaginer des productions hybrides où il y a à la fois des professionnels, il y a des gens de la société civile, il y a des personnes empêchées, des personnes en situation de handicap par exemple. C'est tout ça, c'est toutes ces questions de dignité, de prise en compte de l'autre que nous invite à réinterroger les droits culturels et la démocratie culturelle en général. Un dossier qu'on suivra dans les mois qui viennent, tout comme les budgets. Merci beaucoup Christophe Bennett d'être passé nous voir ici sur le plateau de Culture Link. Les interviews réalisées dans le cadre des BIS 2023 sont à retrouver sur les réseaux sociaux bien sûr, et puis aussi sur le site internet culturelink.fr. À très bientôt pour un prochain plateau.